Good morgen, allez, Iden, les titres aujourd'hui, le Nishmat, Dov, Ben Yudit, Eviatar, Amram, Ben Chedva, Chaya, Esther, Bat Myriam, Mitzrek, Peretz, Ben Fortuna, si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah. Contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Shabbat, Perektet, Mishnah, Dalet. Minayin le Sicha, Shehi, Kishtiya, Beyom, Akipurim. Aval Pishen, Reaya, Ladavar, Zecher, Ladavar, Sheneemar, Vatavo, Chamaim, Bekirbo, Vechashemen, Beatzmotav. On continue la dernière Mishnah maintenant de la série où on découvre des Asmartot, c'est-à-dire des sources de versets de la Torah, des Nevim, des Ktuvim, là en l'occurrence on va voir un pasuk de Tehilim, où on sous-entend un rapport entre deux choses, on déduit de là une halakha, d'accord? C'est ce qu'il y a eu depuis le début du chapitre, en réalité depuis la Mishnah précédente, la Mishnah d'avant, la dernière Mishnah du chapitre précédent. Et donc on a le dernier cas de figure, c'est Minayin le Sicha Shehi Kashtiya Beyom Kippurim. D'où sait-on que Sicha c'est soindre, quelque soindre d'huile, que c'est considéré comme s'il boit à Yom Kippur, c'est-à-dire qu'autant qu'à Yom Kippur, vous savez bien qu'il y a 5 Inouim, Achila Shtiya, ne pas manger, ne pas boire, Rechitsa, ne pas se laver, Sicha, ne pas soindre de l'huile, et Tashmish Amita, les rapports conjugaux. Et c'est les 5 interdits d'Yom Kippour. Il y a quand même quelques différences, c'est qu'il y en a 3 qui sont interdits Minatora, qui sont ne pas manger, ne pas boire, et les rapports. Rechitsa, je ne sais plus, est-ce que c'est Minatora ou Midirabanan. Quoi qu'il arrive, on n'est pas Hayav Karet sur la Rechitsa. Et sur la Sicha, c'est ce qu'on va découvrir dans notre Mishnah, justement, que Rechitsa se laver. Et Sicha, c'est soindre, donc se mettre de l'huile sur soi. Là, on va découvrir la source de celle de la Sicha. De l'interdit de soindre d'huile à Shabbat, à Yom Kippour. Donc d'où je déduis que c'est considéré comme s'il buvait, même si ce n'est que Midera Banan, le Rambam écrit explicitement qu'il est même, il n'a pas Khayav Karet, mais même Malkout, il n'y a pas, il y aura juste Mardout. Mardout, c'est des coups qu'on donne pour celui qui transgresse un interdit de Rabbanan, des coups moins violents, moins rigoureux que les coups de la flagellation de la Torah des 39 coups. Donc là, il ne reçoit que des coups Midera Banan. Et la Mishnah continue en me disant « Afapiché enraya ladavar » Bien qu'il n'y ait pas de preuve forcée à cette chose, malgré tout, « Zecher ladavar » C'est sous-entendu malgré tout dans le pasouk de la sorte. « Chenemar » comme nous dit le pasouk, « Vatavor chamaim bekirbo » et elle viendra comme de l'eau dans ses entrailles, à l'intérieur de lui, « Vechashemen beatzmotav » et comme de l'huile dans ses os, les os, d'accord. Et maintenant, on est en fait dans le pasuk dans le Tehilim Kuftet, un Tehilim très violent, dans lequel David HaMelech prie Hachem contre ses ennemis qui l'ont fait tellement de mal, qui l'ont tellement trahi, il prie vraiment très violemment, en demandant qu'il leur reste plus de souvenirs, que leurs enfants deviennent orphelins, leurs femmes, vraiment des choses très dures, il demande sur eux. Il y a une discussion, j'avais vu une fois qu'il y avait une discussion dans la Mifarchim, parce que c'était des Béné Israël ou pas, il y a de quoi rallonger. Est-ce qu'on a le droit de prier tellement violemment pour le déclin de ses ennemis, même s'ils sont juifs, même s'ils sont méchants? En tout cas, il y a un Tehilim qui parle de ça. Et vers le Passouk, ici, Yudzayn Yudchet, en fait, David HaMelech prie comme ça, il dit « Vayehav klala vatevoe » ou « Puisqu'il aime tellement la malédiction, eh ben, qu'elle lui vienne sur lui ». Et puisqu'il n'a pas aimé, il n'a pas voulu la bracha du shalom, il a voulu que la bracha s'enfuit de lui. Va'il bash klala kemado, et il continue à prier, et que la klala, que la malédiction s'abatte sur lui, qu'elle s'habille sur lui comme un vêtement qui lui tombe bien comme il faut dessus. Et là, le pasuk continue en disant, va'tavo kamaim bekirbo vechashemen beatzmotav, et qu'elle lui vienne comme de l'eau dans ses entrailles et comme de l'huile dans ses os. D'accord? Voilà le pasouk. On parle en fait de Klala. Mais en tout cas, David HaMelech nous dit, regardez les mots qu'il utilise, que ça lui vienne comme de l'eau qu'il boit et comme de l'huile qui rentre dans les os et comme de l'huile qui lui rentre dans les os quand il l'étale. Et le fait que c'était juxtaposé en même temps, le fait de boire et le fait de se oindre d'huile, alors on déduit que de là, que soindre d'huile, c'est considéré comme s'il buvait. C'est autant que quand je bois, je fais entrer un liquide à l'intérieur de mon corps. Et bien quand je vais me oindre d'huile, en fait,
eh bien, ça va pénétrer aussi dans mon corps, et c'est un dérivé, mais des rabbanan bien sûr, de l'interdit de boire à Kippour. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salam.